Speed, ultra décidé et très motivé. La capacité que l'on a à se réinventer sous la contrainte. Télétravail entre 15 et 18 heures par jour, 7 jours sur 7, pendant 55 jours. C'est naze, c'est chiant, c'est nul. Débile. Nos activités en 48 heures événementielles se sont arrêtées du jour au lendemain. On est passé de 200 km/h à zéro. Voilà. Donc on a pris 7G dans la gueule au freinage. On a compris que ça n'allait pas repartir. Donc on s'est jeté dans la bataille de la transformation digitale. Et on a concentré tout le monde dessus pendant toute la période du confinement. On a en revanche mobilisé tout le monde sur cette transformation. Et ça a été fantastique. Voilà. Mais un grand bonheur, moi, je n'ai jamais passé 3 mois dans ma maison de campagne, qui est la maison où je suis né. En plus, au printemps, c'est absolument magique. Ouais. Et le titre du film, Un nouveau départ. Napoléon ou le général de Gaulle? En fait, quelqu'un qui a vécu de l'intérieur la guerre et peut-être l'après-guerre. Un smartphone 10G. Tu peux partager ta connexion avec plus de 1 milliard de personnes dans n'importe quel coin de la planète. La télétransportation, c'est évident. C'est évident. On va plus se faire chier dans les bouchons. Dans mon cas, Jardiland, parce que la nature est importante. C'est moche, mais Amazon, parce que finalement, le monde entier peut venir chez toi. Qu'une des trois, elle est éducative. S'adapter au monde d'aujourd'hui, c'est un problème d'éducation. Comprendre les urgences écologiques, c'est un problème d'éducation. Voilà. Plus de temps à titre personnel. On n'a même plus cet espace-temps dans sa voiture ou dans son taxi, son Uber ou les transports en commun. On a plus le droit d'être en retard. On ne peut plus dire qu'il y avait des bouchons, on ne peut plus dire qu'on n'avait pas trouvé de place pour se garer. Non, il faut enchaîner. Voilà. Et d'ailleurs, je vois que j'ai un zoom qui démarre dans 4 minutes. Voilà, c'est monstrueux.